Puisse toi le Dieu de notre salut. Puisse toi le Dieu de Moïse. Nous te célébrons, Père, et nous disons que tu es bon pour nous. Alléluia. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Le Dieu de ma vie. Oh, tu es Dieu. J'aimerais te souhaiter un bon voyage. Ton voyage me rend tellement triste que tu n'as pas idée. Quelque chose de moi est parti en toi. Je ne savais pas que tu allais partir. Je ne savais pas que tu pars pour me laisser seule et affamée. C'est toi qui me parlais. Quand j'avais un problème avec maman, tu m'aidais. Maintenant, qui va commencer à me parler? Je t'aime et tu vas me manquer. Tu vas vraiment me manquer. Tu vas vraiment me manquer. Je venais chez vous, on était devenus comme des sœurs. Comme des sœurs, comme on avait une même mère et un même père. On était ensemble, on mangeait ensemble, on se lavait, on s'habillait. Mais là, tu vas me laisser. Je ne sais pas quand tu allais partir. Tu m'aidais quand j'avais des problèmes, tu m'achetais des choses. Tu me faisais rire quand je ne me sentais pas bien. Tu étais toujours là, tu étais présente. Tu étais devenue tout pour moi. Tout pour moi, une mère, un papa et une soeur. Comment tu t'en vas comme ça? Salut Pépé, c'est Adada à Paris. Je suis là aujourd'hui pour te dire combien de fois tu comptes pour moi,
combien de fois tu es intelligente, combien de fois tu es accueillante, combien de fois tu es sage, combien de fois tu es Dieu. En tout cas, je te dis merci pour tous les bons moments que tu m'as fait passer, pour tous les moments de rire, pour tous les moments de joie. Je te dis un grand merci. Je t'aime énormément et de tout mon cœur. Ne change pas, reste toi, surtout ne t'éloigne pas de Dieu, car la vie sans Dieu, en tout cas c'est l'amour. Je te demande de t'attacher à Dieu et de ne pas changer. Tu vas beaucoup m'appliquer, je te souhaite bon vent pour tes études et surtout bon voyage. Que Dieu te bénisse et t'accompagne durant tous ces jours. Tu es parmi mes enfants chéris. Tu m'as vraiment marqué par ta manière de servir Dieu, ta maturité. Malgré ton âge, tu te comportais comme une grande personne. Tu étais vraiment obéissante. Tu vas vraiment me manquer, Dominique. Je te conseillerais d'être sage et de garder ton identité chrétienne. Salut! Salut, Daniel! Voilà, à l'écran, c'est la sœur Chanceline que tu aimes. Et moi, de même, je t'aime aussi. Je t'encourageais dans tes démarches de voyage. Je te disais de t'en aller très loin d'ici parce que ce pays n'a rien de bon. Mais j'ignorais la douleur qu'on pouvait ressentir lors de ton départ. Franchement, tu vas me manquer. Tu fais partie de mes filles chéries. Tu fais partie de mes préférées. Je peux dire que si tous mes enfants se comportaient comme toi, si tout était comme toi, vraiment j'allais être une mère exceptionnelle. Mais bon, on dit que l'un propose, je dispose. Tu m'as tellement marqué au point que je ne peux jamais t'oublier. Tu es ancrée en moi, ma tête du cœur. J'imagine pas une prestation sans ma peignée du cœur. Un grand merci à toi pour tous les bons moments qu'on a eu à passer, que ce soit ici à Brazzaville, à Kinshasa, lors des sorties. Et tu sais, je sais pas, tu as assuré un bon fonctionnement du département. En toi, je voyais la qualité d'une mère exceptionnelle. Tu me rends si fière de toi. Franchement, je suis fière de toi. Tu es si douce, tendre, gentille, souriante toujours. Waouh! Quelle fille exceptionnelle! Tu es si spéciale, ma chérie. Ne change pas ta vraie nature. Une fois arrivée au Niger là-bas, je te conseille de ne pas abandonner le Seigneur. Je te conseille de ne pas changer ta vraie nature. Tu es superbe comme ça. Ne change pas ton identité de chrétien. Reste tel que tu es. Franchement, tu m'as compris. Tu es sublime, Seigneur. Si tu peux imaginer le manque que je vais ressentir. Tu étais ma collaboratrice immédiate. Je te faisais part de tout. Quand je m'absentais, je ne m'inquiétais pas parce que je savais que tu étais là. Je savais que ma peine va assurer. Et maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Un très bon voyage à toi, chérie. Fais-toi des amis. Sois ouverte là où tu vas. Sois sage. Et concentre-toi pour tes études aussi. Je t'aime tellement. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je t'aime. Je t'aime. Dominique, nous t'aimons beaucoup et nous te souhaitons un bon voyage. Tu vas beaucoup nous manquer. Coucou Pépé, c'est maman que je vis. En fait, je viens au travers de cette vidéo te dire un petit mot à propos de ton départ. Tu vas partir, tu vas nous laisser pendant 11 ans. En tout cas, c'est un bon moment. C'est un moment très long. Un moment très long. En tout cas, c'est vrai qu'ensemble avec toi, quand je t'ai connue, en 2015, je crois bien, si je ne me trompe pas, si j'ai une très bonne mémoire, en 2015, je t'ai connue. Et
On n'a pas eu assez de temps, on n'a pas eu beaucoup de temps de se côtoyer, de se connaître vraiment réellement. Mais je disais le peu de moments que j'ai eu à passer avec toi, c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de rencontres, mais le peu de rencontres qu'on a eu ensemble, en tout cas tu m'as marqué. La toute première fois que tu es venue chez moi quand je me suis mariée, tu es venue à la maison, tu as préparé le couscous, tu as fait la cuisine, on a mangé ensemble. En tout cas, c'était vraiment merveilleux. Et des moments qui seront toujours gravés dans ma mémoire, que je n'oublierai jamais vraiment, que je n'oublierai jamais, parce que ta présence, ta façon de faire, ta façon d'être m'a marqué énormément. Et surtout, ce que j'ai retenu, ce qui m'a le plus marqué chez toi, c'est en fait ta curiosité, ta manière à toujours chercher à connaître. Maman Jovi, de quoi il s'agit? Maman Jovi, tout. Tu venais toujours poser des questions et je me disais que tu étais curieuse. La toute première fois, quand je t'ai connue, je me disais que mais celle-là, pourquoi elle est impolie? Pourquoi elle aime toujours fourrer son nez dans toutes choses? Mais quand j'ai fini par vraiment pénétrer cette façon de faire, je me suis dit que tu es une fille très intelligente, tu es curieuse, très intelligente. Et là, Dieu t'a fait grâce de pouvoir avoir ces moments pour tes études. Tu iras pour 11 ans, en tout cas, c'est un long moment qu'on ne va pas se voir, mais je te conseillerais d'aller faire tes études. Va, le but c'est pour les études. Tu es partie là-bas, c'est pour les études. C'est ça le conseil que je te donne en fait. Vas-y, fais tes études. Et je crois, la fois passée, la toute dernière conversation qu'on venait d'avoir avec toi, je t'avais dit que quand tu pars, l'objectif, ce sont les études. Et une fois que tu rentreras au pays, tu seras un cadre tout fait. Donc, vas-y, fais bien tes études, concentre-toi, fais tes études et garde surtout, ça ne l'oublie pas, garde surtout ton identité de fille d'Abraham. Vas-y, fais tes études. Une fois que tu vas rentrer au pays, tu seras un cadre tout fait. Je te souhaite un très bon voyage, un excellent voyage d'ailleurs. Et va là-bas, crée-toi des relations. Crée-toi des relations, surtout avec ceux-là qui sont dignes de ton identité, c'est-à-dire des chrétiens, ceux-là qui ne seront pas pour toi un obstacle. Vas-y, crée des relations. Et je crois que ensemble avec Dieu, tu feras des exploits. Bon voyage, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Beaucoup de bisous, beaucoup de bonheur. Bye. Je t'aime, maman Jovi. Bye bye. Éternel notre Dieu, oui c'est toi le Dieu de notre salut, oui c'est toi le Dieu de Moïse. Nous te célébrons fort et nous disons que tu es bon pour nous. Alléluia. Oh Dieu, oh Dieu. Le Dieu.
j'ai mis.